Mais au moins, on a le pouvoir. Je risque de devoir m'en servir. Ah, c'est bon, j'ai ce chasseur-là qui s'occupera de ça sans problème. Donc, on va utiliser le pouvoir. Ah, il me faut toute la puissance nécessaire pour pouvoir essayer de dégommer les forces de Sturm avant qu'elles soient trop puissantes. Donc déjà, ça, ça fait ça. Ça, ça fait ça. Ça, ça... ça vient ici et ça attaque ça. Ça, c'est naze, mais ça va attaquer ça. Ça, ça va battre en retraite. Ça, ça nous attaque ce truc-là. Voilà, c'est bien. Ce truc-là va nous faire le plaisir de... pas faire grand-chose, malheureusement. C'est naze, tant pis. On va compter sur les trucs de... Ça, ça avance comme ça. Donc là, ça donne une espèce de super pouvoir moi la face. Malheureusement, je vais pas mentir. Donc ici, on va faire un bazooka. Ici, on va mettre notre VTB et je crois que c'est tout pour Andy. De ce côté-ci, donc, toi, tu peux disparaître. Yup. Toi, tu peux disparaître. Yup. C'est pas si mal. Toi, tu vas partir dans cette direction, je suppose. Toi, tu vas nous... Tu vas te mettre ici et tu vas attaquer ça. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que ce que c'est le mieux que j'ai. Vous, vous continuez à vous ramener Fissa. En essayant de vous répartir un petit peu, mais c'est difficile. Et vous, donc, vous allez nous faire une espèce de truc aux alentours de l'entière. Une capture. Deux captures. Est-ce que j'accepte de sacrifier ça? Peut-être bien quand même. Je vais le mettre là, tant pis. Lui, je vais le mettre là. Toi, tu continues de capturer. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais autre chose que je puisse faire avec toi. Et j'ai plus un d'autre. Ça m'agace qu'il ait attaqué ça, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, fin pour toi. Côté Green Earth, ça va être plus compliqué. Donc toi, de toute façon, tu attaques par en dessous pour essayer de minimiser. Mes hélicos peuvent rien faire de spécial, mais bon. Vous, vous allez vous mettre les uns à côté des autres comme ça. Bazooka. Bazooka. Un petit VTB en plein milieu. Je veux dire, hey, j'essaye. Donc toi, t'es à 1. C'est gênant, mais c'est comme ça. Toi, tu prends 100% dans la face. Toi, tu... m'irrite, mais j'ai pas le choix. Tu prends 104 dans la face. Toi, tu vas te mettre ici parce que je préfère que ça soit toi qui mange plutôt que, de manière, enfin, surprise, surprise, devrais-je dire, mon, non, ici, mon, bazooka, bombardier, bombardier, ça y est, je recommence. Mes hélicos sont utiles mais pas cruciaux à ce point. Je pense que toi, je vais te mettre ici pour essayer de continuer à augmenter la valeur dans ce coin-là. Je pense malheureusement que ça va être de ce côté-là, mais comme il y a les unités de Sturm, je sais pas si ça compte en négatif ou si ça ignore. C'est vrai qu'il peut toucher cette espèce de truc. Bah, ouais, ah, je suis pas sûr qu'il a un si bon angle que ça ici, donc. Avec du bol, il va peut-être essayer de s'acharner sur quelque chose d'autre. Bref, on va voir. J'ai essayé d'attirer le pouvoir ailleurs. L'idée, c'est qu'Andy doit survivre, même si définitivement... Bon, après, les forces de Sturm sont pas si élevées que ça en plein milieu. Bref. Donc là, pouvoir... Ok, génial, parfait, ça a marché. Je dis pas que ça m'amuse, mais fatalement, je préfère que ça se passe comme ça. Parfait. Là, de toute façon, Orange Star a pour objectif de survivre aussi longtemps que possible, pendant que Blue Moon et Green Earth essayent de soutenir essayent de se ramener sur les côtés pour aider un maximum. J'ai pas d'autres options. Bien, cependant, donc là, j'ai à nouveau sauvegardé, je veux dire, c'est sûr que j'en ai pris plein la face, mais... J'ai quand même toujours deux tanks M en plein milieu. J'ai plus trop d'unités anti-aériennes pour gérer tout ça, par contre, donc faudrait que j'aille investir dans la DCA, mais tout ça, il faudrait que j'ai l'argent, hein, ouais, ouais. Donc ça, ça va être géré de toute façon par Gritounet, donc j'ai pas besoin de m'en préoccuper.
Lui, c'est probablement, de toute façon, les chasseurs vont être obligés de se ramener dans la bataille. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus ici, bien entendu, c'est déjà toi. Tu vas prendre ces légers dégâts. Toi, t'en as pour 10 ans à capturer quoi que ce soit, donc c'est très bien. Toi, t'exploses. Toi, tu prends cher. Toi, tu prends cher parce que t'es dangereux. Toi, tu vas te mettre ici et tu vas attaquer ça parce que cette base doit absolument être libérée pour des tanks et autres trucs. Toi, tu vas te mettre en plein milieu et ce sera déjà pas mal. Et toi, tu remontes par ici. Toi, tu continues de capturer ces trucs-là en bas, c'est très bien. Suivant. Grit de son côté. Donc Grit, il va continuer son... il va continuer à nous générer du bazooka en mode hey, Sturm, par ici. Pour ceux qui se demandent, je déteste cette stratégie. Mais pour ceux qui se demandent, j'ai le choix entre ça ou perdre. Donc je préfère ne pas perdre. Donc toi, de toute façon, tu n'aurais pas pu atteindre la base. Donc autant que tu atomises ça, on est tranquille. Toi, tu te mets là. Toi, t'as porté sur rien, mais bon, c'est comme ça. Et toi, tu vas te mettre sur cette ville-là, je suppose, pour essayer de soigner un peu. Voilà, donc si on va faire d'autres bazookas. Notre tank ici, il va se ramener. J'aimerais éviter qu'il soit à portée du tank M cependant. Donc on va juste le faire avancer de deux cases. C'est surtout pour qu'il puisse essayer d'intercepter ou attirer des choses. De ce côté là, donc ça, ça explose. Ça, ça fait pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et ça, ça se ramène ici. Comme Sturm a plus son pouvoir, j'ai pas à m'inquiéter. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal et je pense que ça sera bon pour Grit. Côté Green Earth, donc bien entendu, ça a fait mal. Mais au final, pas autant que ce que j'aurais craint. Toi, t'as combien encore à capturer? T'as encore 7. Donc je pense que la capture de ça est prioritaire. Ça, ça se ramène. C'est lui qui le tuera au prochain tour, boum. Et puis comme ça, je pourrais commencer à capturer les bases. Ce sera bien assez. Donc ici, on va bien entendu continuer à les mettre les uns à côté des autres. Je veux dire, malgré leur valeur qui a bien chuté, c'est pas grave. C'est sûr que ça m'ennuie puisque ça va m'empêcher d'avoir des fonds pour m'acheter genre des unités aériennes. Mais c'est comme ça et puis c'est tout. Donc ça, ça explose. Nécessaire. On est pendant le pouvoir de Sturm. Aucune autre raison de faire autrement. Ça, ça vaut pas grand chose malheureusement. Donc je vais probablement le laisser là. Ben c'est vrai qu'il a plus trop d'unités anti-aériennes, le bougre. Donc ça, ça disparaît et je pense que je vais utiliser cette unité-ci en bouchon. Toi, tu peux t'avancer et commencer à capturer ça et toi, on va essayer de te faire réparer parce que mine de rien, un peu de réparation ne te ferait pas de mal. Avec le nombre d'unités aériennes qui a commencé à disparaître, anti-aériennes qui a disparu assez de son côté. C'est-à-dire ces dessins sont en haut, désormais. Je pense que mon autre hélico peut se ramener dans la bataille. Et c'est pas si mal. Je vois pas l'intérêt du pouvoir maintenant. Voilà. Donc, bien entendu, Orange Star continue à prendre très très cher. Ça, c'est bien. Ça fait une unité qui va pas me casser les pieds. Ça, c'était honnêtement prévisible, mais j'avais besoin de ça. Ah, tous ces hélicoptères. Toutes ces DCA. Toutes ces unités. Mais tant que je l'empêche de... Une fois que j'ai réussi à gérer la majorité de ces unités, je suis tranquille. Donc Andy, donc déjà on sauvegarde, bien entendu. Sauvegarde à chaque début de, du tour d'Andy, idéalement. Toi, tu vas pouvoir attaquer à partir d'ici, donc t'es pas important. Andy, tu vas attaquer ça. Et tu vas attaquer ça. Et donc ça, ça va s'acharner sur ce truc-là, j'imagine. Toi, tu vas nous anéantir ça parce que j'ai pas envie qu'il capture quoi que ce soit. Toi, tu vas nous détruire ça. Pas un excellent choix, j'en ai bien conscience, mais c'est comme ça. Toi, tu vas rester là, en fait, qui est très très bien. Et on va se faire deux bazookas. Relativement limité, mais de toute façon, on dit sa seule, son seul objectif, c'est de survivre à ce flot catastrophique d'unités, puisque j'ai pas d'autre option. L'avantage, c'est que lui va exploser par bombardier, lui va exploser par hélicoptère. Bon, les deux vont exploser peu après, malheureusement, je sens. Voilà, on mute mon hélico qui tape ça, et le bombardier, il essaye de rester un peu hors du chemin. Je sais pas. Toi, ça m'ennuie. Non, je vais t'évacuer.
À nouveau, j'ai un peu de mal à vraiment faire la somme de qu'est-ce qui vaut quoi, mais j'ai peur qu'avec, en plus, le VTB ici, ça devienne une trop bonne, un trop bon météore, là, comme ça, là, avec tout qui est tchac. Donc, c'est bon pour Andy. Pas comme si je pouvais faire mieux. Ah, donc de ce côté-là, donc toi, bien entendu, tu te ramènes ici, tu casses ça, c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Toi, tu vas te ramener un petit peu plus haut ici, mais c'est tout. Vous, pendant ce temps, vous continuez la formation. Alors attendez, si... Il faut que ça soit un truc comme ça, j'aurais dit plutôt. Toi, tu captures. Toi, tu captures. Toi, tu captures ça. Toi, tu pars par là-haut. Faute de mieux. Toi, t'affaiblis ça. Toi, tu vas te mettre juste ici. Tu seras très très bien. Voilà, génial. Toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu vas rester là pour te faire soigner. Je serais relativement surpris que ça, ça n'attire pas le météore, mais que ça, ça l'attire. Donc, je vais espérer que ce sera effectivement pas le cas, mais... C'est vrai qu'il y a de la somme ici, il y a de la valeur. Et c'est à peu près tout. Côté Green Earth, donc le pognon qui se fait bouffer à vitesse grand V, c'est pas très grave. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Parce que je suis un imbécile, j'imagine. Bon, tant pis, on va commencer à les fusionner un petit peu. Parce que sinon, ils n'ont jamais assez de valeur pour vraiment réattirer des choses. Vous allez continuer avec les bazookas, bien entendu. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment que Sturm décide de s'acharner sur un truc et que le truc en question, ça soit ma pomme. Donc ça, ça explose. Ce qui m'ennuie, c'est ça. Mais sa deuxième DCA est pas là du tout. Mais tant pis, ça, ça explose. Non, j'ai pas envie de vous ramener. Vous, déjà, vous battez en retraite. Oh, tant pis, j'avais pas le choix. J'avais besoin de détruire ce lance-missile. Toi, tu peux aller jusque là-bas, donc. Toi, tu vas battre en retraite là-bas. On peut pas t'atteindre. Toi, tu vas battre en retraite ici. Toi, tu vas te mettre juste là, j'aurais dit. Je vois pas d'autre option. Et... Ouais, Green Earth commence à en prendre plein la face avec mes histoires de... Oui, protéger ça. Il va falloir que je me mette à fabriquer des hélicos et des trucs comme ça. Sinon, j'ai commencé à perdre... Enfin, pas avoir assez de troupes à envoyer au combat. Oh ! Ah ouais, qui est bien. D'accord, il n'y avait pas assez pour un pouvoir. Parfait, ça c'est... Peut-être pas appeler ça bien, mais on va dire que c'est mieux que... Etc. L'hélicoptère à gauche, il va exploser normalement. Ah la vache, c'est un conflit incessant, mais bon. Donc déjà, on va sauvegarder, bien entendu. Je pense que pour le moment, ça se passe relativement correctement. C'est sûr que j'arrive pas à faire une percée. Mais en fait, j'ai vraiment, j'ai de plus en plus l'impression que je suis juste en train de repousser le, de juste tenir sans vraiment faire grand chose. Bah après, je capture des villes, etc. À gauche et à droite, c'est surtout que Andy en prend plein la tronche. Mais mes forces se renforcent petit à petit, ne fût-ce qu'en termes de finances, là où les siennes ne bougent pas beaucoup. Donc, j'ai l'espoir qu'à terme, ça finisse par faire une réelle différence. Donc ça, ça explose, merci. Ça, ça prend cher. Ça, ça va prendre. T'es à 9, c'est bon. Boum. Ça, ça prend très cher, merci. Toi, tu peux aller jusque-là. Donc ici, ça va juste être un bazooka. Et ici, ça va être, bien entendu, un tank. Et ici, ça va être un autre bazooka. Voilà. Toi, tu es très bien, mais je vais te mettre là pour te régénérer. Toi, tu captures, donc c'est bon pour Andy. Grid de son côté. Donc attendez, le pouvoir il va frapper comme ça. Tac, 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 tac. Donc toi, il faut que je te mette ici. Mais soyons honnêtes, toi, tu vas plus me servir à grand chose. Donc toi, tu vas te mettre là. Voilà. Comme ça. Là, je veux dire, c'est la cible... Tape-moi, tape-moi. Je peux pas faire mieux. Toi, t'exploses, que comme ça, au moins, j'aurais besoin de m'en inquiéter. Toi, tu vas monter ici. Toi, c'est bien, tu te régènes, tu vas rester là. Je veux pas ajouter trop de valeur à côté du lance-missile et compagnie. Toi, tu tombes à 1. C'est bien, ça suffit, tu sers plus à rien de spécial.
Et c'est bon pour moi. Ah non, j'ai un tank. J'ai un tank. J'avais failli oublier le tank. Le tank, il va juste pas se mettre ici. Le problème, c'est que je ne sais pas où le mettre. Tant pis, il va se mettre là. Boum, voilà. D'ailleurs, si ça explose ici, c'est super naze, mais ça pourrait être pire. Bien, bien, bien. Donc, je pense que pour Grid, malheureusement, aussi peu que ce soit, c'est tout. Non, c'est pas tout. Viens toi. Boum. Mince. C'est vrai que je transmets pas assez de force, mais je pense que ça va générer du tank. Et toi, non, parce que tu vas prendre le pouvoir. Tant pis. Bon, pas grave. Fin pour toi. Eagle de son côté. Mon cher Eagle, il va falloir que je commence à faire des choses avec toi parce que là, t'es vraiment juste en train de rien faire de réel. Donc ça s'avance. Ça régène. On va l'avancer ici. Lui, il a rien à tirer comme je l'avais espéré, mais écoutez, c'est l'intention qui compte. Toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce qu'avec toutes les DCA et compagnie, tu vas juste mourir. J'ai vraiment l'impression d'être un gros useless. Je vais faire un chasseur, je pense, pour commencer à pouvoir essayer d'aider un petit peu. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas commencer à descendre ici. Toi, tu vas remonter, je suppose. Essayer au moins de soutenir un petit peu l'effort de guerre. Toi, tu vas te mettre là. 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 Et je vais faire deux infanteries, mais c'est tout.